Bonjour. Puisque c'est bientôt Noël, j'ai choisi d'évoquer la joie en musique. Alors bien sûr, il existe de nombreuses façons d'évoquer la joie en musique. On imagine facilement un tempo plutôt allant, des instruments aux couleurs brillantes et si l'œuvre est chantée, un texte plutôt léger ou amusant. J'ai choisi aujourd'hui un extrait d'œuvre où nous allons retrouver ces points, bien sûr, mais également d'autres figurations musicales auxquels on ne penserait pas forcément pour évoquer la joie. Comme d'habitude, vous découvrirez le nom de l'œuvre choisie et du compositeur, si vous ne les avez pas reconnus, à la fin de cette vidéo, afin que vous restiez concentrés sur l'écoute. J'ai choisi une œuvre chantée par un chœur. Le texte se découpe en trois phrases, et chaque phrase fait l'objet d'un traitement musical particulier que nous détaillerons. Voici la première phrase. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Deuxième phrase, et le commandement sera sur ses épaules. Troisième phrase, et son nom sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Commençons par la première phrase, car un fils nous est né, un fils nous est donné, que nous allons écouter. Notez les nombreuses répétitions de unto us qui signifie à nous. Et nous reviendrons sur ce point juste après. Vous avez bien noté la répétition ici de unto us, à nous, un fils nous est donné. Et cette répétition participe pleinement à la joie. Alors comment? Si le compositeur fait répéter cette phrase, c'est vraiment pour que l'on réalise à quel point cette naissance est miraculeuse, voire incroyable, pour celui à qui on l'annonce. Es-tu bien certain? C'est bien nous que cet enfant est donné? À nous? Tu en es sûr? Ce n'est pas à quelqu'un d'autre? Ces répétitions de unto us, à nous, cherchent à souligner l'incrédulité joyeuse de la personne qui apprend cette nouvelle, en l'occurrence ici c'est nous. Alors écoutez à nouveau cet extrait, mais cette fois en étant celui ou celle à qui on apprend qu'un fils lui est donné. Vous n'y croyez pas encore, et vous avez besoin de vous le répéter encore et encore pour que vous commenciez à y croire avec toute la joie contenue que cela peut procurer. Allons-y. À nous, à nous, un fils nous est donné, à nous, en bas, à nous, en haut, à nous, un fils nous est donné, c'est vraiment à nous, à nous encore, unto us, à nous, continuons avec la deuxième phrase. Et le commandement sera sur ses épaules. Comme il est question ici de commandement, notez le rythme pointé. Pam, 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 pam. Il n'est pas question ici de joie, mais ce rythme pointé prépare la phrase suivante qui, elle, en contiendra beaucoup. Écoutons pour l'instant ce commandement. The sun is here, and the
Papam, papam, papam. Et voici la dernière phrase, et son nom sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pour illustrer le merveilleux, ce sont les violons qu'il faut écouter en priorité. Écoutez-les présenter un motif qui semble tourner sur lui-même, sur un rythme régulier et rapide, à l'opposé du rythme pointé précédent, et qui crée ainsi un contraste saisissant. Ce scintillement au violon cherche à imiter la joie de voir arriver un prince de la paix, comme le dit le texte. Les violons dessous. Voilà, vous avez à présent toutes les clés pour écouter cet extrait et cette illustration de la joie. La répétition, comme une joie à laquelle on ne croit pas. Et ce motif qui tourne sur lui-même, présenté par les violons, sur un rythme régulier pour figurer le merveilleux. Ce chœur célèbre est extrait du Messie de George Frédéric Handel. C'est Sir Colin Davis qui dirige ici le London Symphony Orchestra. Avant d'écouter ce chœur en entier, où je vous guiderai pendant l'écoute, je voudrais vous préciser que si vous souhaitez recevoir les prochains exercices d'écoute, vous pouvez me laisser votre mail. Sous cette vidéo, il y a un lien pour vous inscrire. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et voici donc à présent ce chœur du Messie, où je vous invite à suivre dans la première phrase les répétitions de « On to us », dans la deuxième phrase le rythme pointé, et dans la troisième le scintillement en rythme régulier des violons. Une fois ces trois phrases exposées, nous recommencerons à la première phrase. Merci Monsieur Handel, et merci pour votre écoute. À bientôt.